Par contre, ma caméra ne fait plus la mise au point. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est arrivé à Rome tôt ce matin, j'ai pas eu le temps vraiment de vlogger, j'ai filmé 2-3 petits passages dans les rues de Rome. En fait c'était une journée un peu fatigante, j'ai pas dormi de la nuit parce qu'en fait on est parti à 4h du matin de Saint-Etienne. Donc en fait ça valait pas le coup de dormir, genre j'ai préféré rester éveillée et du coup ben j'ai pas dormi. Là je me réveille juste d'une petite sieste parce que clairement... mon corps disait non. Et là on va ressortir pour un peu manger une glace. Qu'est-ce que c'est que ce voyage en plein milieu du mois de septembre? En fait tout simplement on a la chance de reprendre mi-septembre. En fait pour nous c'était plus avantageux de partir en vacances maintenant. Au niveau des billets et tout ça, vraiment partir léger. J'espère que ça va vous plaire et puis c'est parti. Tu mets quand on va faire l'escalier? Quel escalier? L'escalier là. Pourquoi tu veux monter des escaliers? Je suis en talon. Mais c'est joli en haut. Allez, c'est parti. On est rentré à l'appartement après avoir pris du coup notre petit déjeuner en ville. On a pris un cappuccino avec des pâtisseries italiennes, c'était super bon. Là on est rentré du coup pour se faire des sandwichs, on va repartir et charger nos téléphones aussi parce qu'on n'avait plus de batterie. On s'est fait des petits sandwichs qu'on a rangés dans de l'aluminium. C'est des sandwichs avec du pain de mie, de la margarine, de la salade, des tomates, des champignons et des petites graines de courge comme ça pour ajouter un peu des protéines végétales. Et on a pris des bananes aussi pour manger ainsi que des petites chips. Voilà, voilà. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? En fait pour simplement vous montrer que on se fait notre bouffe quoi, on va pas manger tout le temps dehors même si ça va nous arriver un peu pour... parce que voilà c'est quand même des vacances, faut se faire plaisir. On va reprendre le métro. Je vous ai pas filmé dans le métro mais c'est pas non plus... C'est pour vous intérieur. La vie d'alcool est dangereuse pour la santé. Non, buttato prima, così. Non è greco la strada. No, non è greco. Hey, alors, jour numéro 3, je crois. On est le mercredi 6. On vient de rentrer faire des courses et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce qu'on avait acheté. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on... comment est-ce qu'on se nourrit, voilà, des choses avec des choses très simples. Donc premièrement, on a acheté pas mal de pâtes, parce que les pâtes sont vraiment très bonnes. Des pâtes qu'on trouve pas forcément en France, des pâtes un peu plus simples, des pâtes fourrées. On a aussi acheté des gnocchi, saveur potiron, un peu gourmand, des pains hamburgers, et en même temps on a acheté des steaks de soja pour faire des petits hamburgers avec de la salade. Il nous reste aussi des tomates. Ça c'est un petit... on s'est acheté des petits encas genre pour au cas où si on avait faim. Des bananes parce que pareil c'est pratique à transporter dans le sac. Ça c'est... tu m'as dit que c'était quoi ça? C'est un truc en italien fait, c'est du brodo. En gros c'est une sorte de bouillon. Mais qu'en fait tu manges directement avec les pâtes en mode soupe. Un avocado, c'était le dernier qui restait dans le... Là ça nous fait quelques repas et sachant qu'on avait encore des restes à finir dans le frigo. C'est sympa, c'est pas dégueu, ça va. Non, ça va. Tu fais un gros zoom là, je parie. Ouais, complètement. Super. Je vais quand même essayer de vlogger un peu. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 3, donc on est parti faire un tour dans un parc qui s'appelle le parc de la Villa Borghese, c'est ça, Matteo? Borghese, ouais.
Borghese, pardon. Et c'est un super super joli parc. Et on a mangé, et là il est presque une heure, et on est en train de partir pour aller visiter la Villa Médicis. Qui est, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est l'Académie française qui a une antenne là, non? C'est pas ça? Ouais. C'est tenu par des Français, je crois, je sais pas. Il y a un truc comme ça, bref, moi je voulais la visiter et apparemment c'est sympa, donc on est sur notre route pour y aller. Et oh là, le panorama est vraiment très très chouli. Là-bas, c'est le Vatican où on va demain. Et sinon, voilà. Et ça c'est Mathéo. Oui. Architecture qui ont plus de 2000 ans, s'il vous plaît. 3000. Je peux pas faire plus joli. Arrête de filmer en gros plan. Non. Elle a fait tomber sur une pièce. C'est du ciment. Mais non. Elle a été coulée directement dessus. Mais ouais, non, mais comment ils ont fait? Ils ont rempli le ciment en fait. Le ciment existait déjà à l'époque. C'était l'eau du gravier et du sable, c'est tout. Et donc, il y a qui d'enterré ici? T'as différence, hein. Ça va, Coco? C'est de toute beauté. Hey, recoucou, bonjour à toutes et à toutes. Oh mon dieu, cette assiette est beaucoup trop chaude. Aujourd'hui je vous retrouve en fait dans la salle de bain parce que c'est le seul endroit en fait où il y a de la lumière. Et en fait je vous montre simplement mon assiette que je me suis fait pour midi. En fait Mathéo n'est pas là aujourd'hui, il m'a laissé pour la journée. Du coup moi j'ai fait la grasse mat, je me suis levée, je me suis fait des pâtes avec des champignons et un peu de salade. Voilà, histoire de me tenir au ventre. Puis cet après-midi je vais aller me promener un peu toute seule. Voilà, je sais pas ce que ça va donner parce que jusqu'à présent je n'ai jamais été toute seule dans Rome. J'ai peur de pas arriver à m'exprimer. Aujourd'hui on est samedi, donc on est à la moitié à peu près du voyage. Demain c'est dimanche, je pense qu'on fera pas grand chose parce que tout risque d'être fermé. Mais voilà, et lundi on reprendra un petit peu mieux la visite de la ville. Boulibolou. Bon, après avoir passé la moitié de la journée recroquevillée à l'intérieur de l'appartement, j'ai enfin réussi à sortir. Donc là je suis devant l'immeuble dans lequel on se situe à Rome. Et j'attends Mathéo qui est en train d'aller chercher des affaires, hein. Il posait des affaires puis il redescend. Et on va aller faire un petit tour en ville, boire quelque chose, manger quelque chose. J'ai super faim, j'ai très très envie d'une petite pâtisserie, d'un petit truc comme ça un peu. Encore moi, oui,
c'est ma vidéo, bien sûr, c'est pas encore moi. On est lundi, le lundi 10, et j'ai pas trop vlogué ce week-end, en même temps c'était pas forcément très intéressant, parce que ben, on a pas fait grand-chose, on s'est un peu baladé, on a mangé, enfin comme d'hab quoi. Bref, aujourd'hui je suis toute seule, Mato est avec sa famille qui vit à Rome, et moi je suis en train de me perdre, très clairement, je crois que je suis dans un quartier d'affaires, je ne sais pas du tout où je suis à Pyramide. Il fait à peu près 30 degrés, là ça va, il y a des arbres autour de moi, mais sinon c'est juste horrible, je suis en train de fondre, je sais pas comment il y a des mecs en costard, je sais pas comment ils font, bref. Là je vais me rendre au terme de Caracalla, les thermes c'était un peu l'équivalent des piscines municipales, mais bien en bien plus cool à l'époque des Romains. Bref, les ruines sont assez sympas et très bien conservées il me semble, et Caracalla c'était un, comment on appelle ça, un empereur. 5 minutes plus tard, apparemment j'ai fait un détour et je me suis un peu perdue, bref j'y suis pas encore. Mais en fait je suis trop contente parce que j'atterris dans un quartier qui est vraiment hyper mignon. Genre d'un côté il y a les habitations avec, je sais pas, enfin on verra pas, mais il y a des ruines au milieu des habitations genre. Et à gauche j'ai une sorte de vieux, le reste d'une vieille forteresse, enfin ma forteresse, c'est un mur en fait. Comme il y a en fait partout autour de Rome, et c'est vraiment trop trop beau, j'adore. C'est très très joli. Bon, Google Maps me dit que j'ai pas trouvé, que j'y suis pas encore, qu'il me reste encore 5 minutes à pied, mais je pense quand même les avoir trouvés. En fait, il faut que je fasse le tour par là-bas. Il y a un truc que j'adore ici dans toutes les ruines romaines qu'on a visitées avec Mathéo ou celle-là, c'est qu'en fait il y a ces petites herbes et ça sent super bon. Ça sent un peu comme de la menthe, ça sent très frais. Je sais pas ce que c'est, je me sens un peu inculte. Je suis nulle, c'est tout. Bref, et ce qui fait que ça sent hyper bon quand on marche. Et autre point positif des thermes de Caracalla, et pour lesquels du coup je pense que je vais vous les recommander à 300%, même si j'ai pas encore visité, c'est qu'il y a vraiment personne. Je crois que c'est le premier site archéologique que je visite à Rome où il y a personne en fait. Genre même s'il y a des gens en fait, c'est tellement grand que ça devrait aller. Le Forum, le Colisée, la Place Argentine, ce genre d'endroit, c'est vrai que c'est très joli de voir des ruines en plein milieu de la ville, mais ça gâche un peu le nombre de touristes. Et je dis pas, moi aussi je suis une touriste, donc je vais pas me plaindre. D'ailleurs, je suis désolée, je sais pas si vous m'entendez, il y a plein de voitures qui passent à côté. Bref, on va voir comment c'est à l'intérieur, j'espère que je peux rentrer. Bon bah voilà, je suis arrivée à la porte d'entrée. Je m'étonnais pourquoi il y avait personne à l'intérieur. Bah en fait c'est parce que c'est fermé, voilà. Oui, nous sommes sur le premier site archéologique que je croise qui se ferme à 14h les amis. C'est super, enfin, c'est trop dommage, ça a l'air tellement beau. Franchement, j'hésite à revenir demain ou après-demain parce que j'aime vraiment très 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 beau. Bon sinon il y a une exposition d'art contemporain en plus à l'intérieur, je me dis que ça peut être sympa quoi. Excuse d'étudiant. Je sais pas trop ce que je fais, je pense que je vais profiter de l'ombre un petit peu parce qu'il fait hyper frais. Là on est à l'ombre, ben, à l'ombre des thermes en fait. Enfin, je suis à l'ombre des thermes, je suis toute seule. Et puis je vais retourner marcher un petit peu et je vais aller me chercher, je pense, un truc à manger, je sais pas, à boire. C'est super ma vie. On est jeudi, on est le dernier jour où on peut vraiment profiter encore d'être à Rome. Donc aujourd'hui ça a été assez chill, on a dormi toute la matinée, on a commencé un peu à faire nos valises. On va ranger, faire le ménage de l'appartement cet après-midi, mais là on va encore sortir, profiter un petit peu encore du quartier et on va boire un dernier cappuccino, enfin ce genre de choses. Et voilà, et c'est la fin. On profite encore un petit peu d'être au calme parce qu'on reprend les cours dans 3 jours et on a déjà pas très envie d'y retourner. Enfin bon. C'est pas quand on sera à Saint-Etienne qu'on pourra manger des glaces. Waouh, elles sont belles. C'est petit hein. Alors on est rentré à l'appartement, on est un petit peu censé ranger nos affaires et tout, mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde des vidéos YouTube sur Yu-Gi-Oh! Oui. Sur les cartes Yu-Gi-Oh! Parce qu'on en a acheté. Gros craquage, on allait dans une boutique de gaming et Mato s'est acheté un deck hyper stylé sur la lumière. Et moi j'ai acheté un deck ténèbres. Qui est extra extra cool et voilà, je jouerai avec quelques fois peut-être. Bon allez, welcome monsieur Dranger. C'est le faux cadeau qu'en fait j'ai pour toi. C'est ça, tiens mon chéri. Bon, je t'ai une chaussure mais finalement c'est moi qui vais les porter. De toute façon tu fais pas du 37 toi, ça sert à rien. Allez. Il y a deux choses que je déteste, les mensonges et les gens qui font youhou dans les aéroports.